C'est le retour du Clash Mus, vous savez, cet événement spécial Noël de Clash Mini. Qu'est-ce qu'il va nous offrir, ce Clash Mus Challenge? Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo, elle va être très très courte, mais faut que je vous explique ce qu'on va avoir, qu'est-ce que c'est que cet événement, pour pas que ce soit une surprise pour vous. Donc, on va avoir deux choses dans cet événement, ça va être super chouette. Déjà, il faut savoir que cet événement va durer du 18 décembre, donc c'est-à-dire demain, par rapport au moment où je fais cette vidéo, jusqu'au 5 janvier 2024, et oui, déjà 2024. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet événement? Eh bien, la première chose, et la plus importante bien sûr, c'est la possibilité de débloquer les 6 skins de Noël. On les connaît ces skins, hein. C'est pas forcément des skins nouveaux, certains d'entre vous les ont d'ailleurs peut-être, moi je les ai pas personnellement. Donc on a le skin du squelette géant, le skin du roi barbare, du bullies, mini P.K.A, super gobelin, l'archer évidemment. Bah voilà, c'est des skins qui viendront renforcer votre collection. Et d'ailleurs ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi un diorama, hein, vous le savez, spécial Noël. Donc ça tombe très très bien. Et comment on va les obtenir ces skins? Alors c'est super simple et à la fois c'est assez chouette de la part de Supercell, puisqu'on va avoir dans la Toy Machine, vous savez, cette petite machine qui vous permet d'avoir des petites boules au hasard et d'avoir des récompenses au hasard, eh bien, on a, vous le voyez, je suis sur une version dev, hein, mais c'est ce que vous aurez dans votre version à vous, Clash Mus Skin. Donc, c'est évidemment juste le temps de l'événement de Noël et vous pourrez, c'est ça qui est très très chouette, obtenir ces skins avec des clés d'argent, des silver keys, c'est-à-dire les clés les plus faciles à obtenir. Donc, ça, c'est chouette parce qu'ils auraient pu faire un mix. Enfin, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais en gros, bah, vous aurez quand même pas mal de possibilités de récupérer ces skins-là. Je pense que tout le monde, à la fin, réussira à avoir la majorité des skins. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc là, encore une fois, bon, je les ai tous dans cette version, mais peu importe. Mais en gros, c'est toujours la même chose, hein. Vous aurez un pourcentage de chances de les avoir, etc., etc. Donc, c'est au travers de la Toy Machine qu'on va pouvoir récupérer ces skins. Mais ce n'est pas tout. Puisque déjà, il faut savoir que quand vous aurez récupéré tous ces skins, vous aurez une récompense, et oui, vous aurez la fameuse arène Frozen Peak. Donc ça, c'est chouette aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas, bah voilà, vous aurez la possibilité de débloquer cette arène Frozen Peak. Donc ça, c'est l'information, enfin la dernière information sur la première partie de cette vidéo. La deuxième partie qui est extrêmement importante aussi, dans ce Clash Mus Event, hein, dans cet événement spécial Noël, eh bien, on va avoir deux challenges. Yes, deux challenges qui sont très très chouettes. Donc, le Clash Mus Challenge 1 et le 2. Sachant que les deux ne vont pas être publiés simultanément. Encore une fois, je suis sur la version dev, donc ne faites pas attention forcément au fait que les deux qui soient déjà débloqués. Donc, le premier va commencer le 18 décembre, le deuxième commencera le 24 décembre. Donc, vous aurez le 1, puis le 2. Et vous le voyez, dans cet événement-là, eh bien, on va débloquer quoi? On va débloquer des clés, et pas mal de clés, hein, parce que ouais, alors bon, encore une fois, ça a le temps de changer, mais notamment, par exemple, ici, 30 silver keys, des gold keys, et surtout, une epic key. Alors ça, c'est très chouette, parce que vous le savez, c'est hyper compliqué d'avoir ces clés épiques. Et c'est la même chose, d'ailleurs, dans le Clash Mus Challenge 2, hein. Donc, encore une fois, bon, bah, les défis sont assez simples, hein, se connecter, gagner de l'or, gagner des parties, blablabla, bon, vous savez le truc, hein, c'est... Il n'y a pas de difficulté particulière, là, pour ce Clash Mus Challenge, je pense plutôt que c'est voilà, c'est Noël, donc c'est un petit cadeau de la part de Supercell. C'est pas entièrement, disons, facile et gratuit, dans le sens où il va quand même falloir un petit peu travailler, gagner quelques parties, etc., se connecter, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez chouette. Donc voilà, vous avez deux informations, la Toy Machine avec les 6 nouveaux skins et deux challenges qui arrivent, le tout du 18 décembre jusqu'à début janvier 2024, jusqu'au 5 janvier 2024. Voilà, j'ai tout dit, c'était très très simple, très très court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de commentaires, à vous abonner si c'est pas encore fait. On est 100% Clash Mini en français sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Clash Mini. Salut à tous!